Aujourd'hui pour un petit tutoriel pour comment installer l'application Spotify et comment créer son compte Spotify. Donc voilà, c'est tout simple, mais je vais vous expliquer. Alors la première chose à faire, c'est d'aller sur le site internet. Voilà. Donc on se met dessus, pas de problème et tout. Donc voilà, on arrive sur le site de Spotify, donc spotify.com/fr/. Et donc voilà, juste au milieu, vous voyez télécharger Spotify. Donc cliquez dessus. Voilà, donc moi je préfère m'inscrire avec Facebook, c'est plus facile, ça gagne du temps. Et puis en soi, ça change rien, même presque rien. Donc voilà, donc vous dites inscrivez sur Spotify. Donc voilà, je viens de télécharger l'application. Donc que ça soit sur Mac ou sur PC, ça va être le même principe. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez dans vos téléchargements et vous double-cliquez sur l'icône de téléchargement. Donc voilà, open. Et voilà. Donc je viens de télécharger l'application pour Mac. Ça a été directement sur Mac parce que ça a reconnu que j'avais un Mac. Donc c'est des sites sur PC, ça aurait reconnu directement de. Oula. Ça aurait retenu directement PC et vous aurez pu télécharger tranquillement. Donc voilà, il y a Spotify qui se lance directement et vous arrivez sur votre page d'accueil de l'application. Donc voilà, simple. Donc là, il y a toutes les nouveautés. Sur la droite, c'est les personnes qu'on pourrait connaître via Facebook qui ont aussi Spotify. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc alors, une fois que vous avez fait ça, donc c'est bon, vous avez Spotify. Maintenant, si vous voulez pas vous connecter via Facebook, le moyen de créer son compte est. Ah non, il faut que je me déconnecte. Donc voilà, alors vous revenez sur la page d'accueil et puis là vous faites se connecter. Une fois que vous avez vu se connecter, donc là vous faites s'inscrire. Et une fois que vous arrivez sur s'inscrire, donc nom d'utilisateur, donc n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, il y a toujours un problème des noms. Je vais laisser n'importe quoi. Enfin bref, voilà. C'est très bien. Donc mot de passe, choisissez votre mot de passe, adresse mail, mettez n'importe quel. Tant qu'elle marche, vous allez devoir renvoyer un email de confirmation, donc il faut que l'email soit valable. Forcément, donc voilà, confirmation de l'email, donc date de naissance, pas de problème, homme. Et s'inscrire. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez créé votre compte Spotify. Merci beaucoup et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.